19 août 1847, jeudi matin, 8 heures. Bonjour, mon bien-aimé, bonjour, mon aimé, bonjour. Je regrette de ne pas trouver d'appellation plus tendre pour te les dire, car toutes celles-ci sont encore au-dessous de ce que j'éprouve. Comment vas-tu, mon Victor? Tu n'es pas revenu cette nuit. Il est vrai que tu ne me l'avais pas promis et que je n'aurais pas osé y compter. Mais le désir que j'ai de te voir me fait trouver des espérances dans l'impossibilité même. Du reste, je comprends ta sollicitude pour Charles, et j'approuve toutes les précautions que tu prends à ce sujet, même quand elles sont aux dépens de mon bonheur particulier. Et puis, je te crois incapable de me tromper, je suis beaucoup trop vieille pour que tu prennes cette peine. Aussi, j'ai confiance en toi, mon doux adoré. Et je t'aime pendant que tu travailles. Je t'attends avec tout mon courage et je hâte le moment où je te verrai de toute ma tendre impatience. J'aurais bien désiré pouvoir te conduire tantôt, mais puisqu'il faut opter entre l'aller et le retour, je préfère le retour parce que je ne laisserai pas de regrets derrière moi. Tu ne sauras jamais combien je t'aime, mon Victor. C'est au-dessus de tout ce que tu peux penser et désirer. Quand je te vois, il me semble que j'aperçois un coin du paradis. Quand tu me souris, c'est plus que du bonheur. Quand ta bouche touche la mienne, je suis ravie et transportée dans une volupté sans bornes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Juliette.